Allez. Quelle énergie, mademoiselle. Bravo, 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 bravo. Florent, qu'est-ce que c'est que cette battle? Théâtre de guerrière. Mais quelle chanteuse! Vous avez super bien chanté, mais alors vous êtes vraiment fait pour le show, quoi. Ça va être chaud, chaud, et c'est chaud, chaud. Et choisir va être chaud, chaud aussi. Alors, puisque c'est chaud, chaud, autant continuer le show en demandant aux autres coachs et de nous donner. Ah, bah oui, oui, là, chacun a forcément une analyse intéressante de la situation. Matt Pokora. J'ai passé un superbe moment. Alors, deux registres totalement différents vocalement. Camille qui a vraiment un grain, qui a un groove, un truc un peu écorché vif comme ça. Honnêtement, peut-être qu'avant sur le papier, j'aurais peut-être dit Chabi par rapport à ce que j'avais ressenti sur les auditions à l'aveugle. Mais Camille, quelle surprise. Et se retrouver face à Chabi, c'est pas un cadeau. Et je pense que tu t'en es sorti haut la main et moi, j'irai avec Camille. Camille pour Matt. Merci beaucoup. Zazie. Ben, je comprends ce que tu dis, tu vois. Parce que alors, c'est vrai que Chabi a cette manière de bouger qui est tellement particulière, on dirait une bande dessinée. Donc il y a déjà un personnage très fort, et vocalement, oui, mais aussi dans cette gestuelle, etc. Camille, c'est peut-être encore un peu plus frontal, mais c'est très authentique. C'est-à-dire que comme c'est la voix qu'on doit juger, peut-être que moi, juste pour ça, j'irais pour Camille. Voilà. Merci. C'est deux points de vue à titre facultatif qui peuvent ou pas influencer votre coach, parce que le mot de la fin, c'est Florent Pagny qui l'aura. Mika. Alors, elle est pas bête, hein, Chabi. C'est un compliment, hein. Elle est. Parce que, franchement, elle a dit boum, c'est une battle. J'y vais et ils ont
tous les deux mis beaucoup de dedans. Ah oui. Chabi, elle a pu le faire avec moins d'efforts. Et ça, c'est classe. Alors moi, je suis plutôt pour Chabi. Chabi. Que dit Florent Pagny à l'issue de cette battle? Vous avez le mot de la fin. Camille a fait un très beau chemin et d'un seul coup, il y a la surprise et la découverte. Chabi, en effet, elle maîtrise et on sent qu'il y en a encore plus que ça. Et je garde Chabi. Chabi, c'est tranché. Elle reste dans l'aventure de Boys, dans l'équipe de Florent Pagny. On la retrouvera pour les épreuves ultimes. Mademoiselle Chabi. Bravo Chabi. Je me sens bien. J'ai eu un peu peur, je vous cache pas. Et je me sens bien. Mais j'ai un petit pincement au cœur du coup parce que pour Camille. Mika, Zazie, Matt, vous connaissez la règle de cette émission. Si vous souhaitez accueillir Camille et Esteban dans votre équipe, c'est maintenant. Vous pouvez la voler entre guillemets à Florent Pagny qui a décidé de quoi. Ça n'est pas terminé. Matt Pokora est dans l'arène. Il garde Camille Esteban dans l'aventure de Boys. Sauvé par Matt Pokora. C'est pas fini. C'est pas fini. Et il la garde. On va avec elle, c'est ça. On se casse. Vous la gardez, le camion est dans votre équipe. Ah. C'est votre talent. Bravo, bravo. Tout est mérité. Merci beaucoup pour moi. Camille, vous réalisez ce qui se passe? Non, pas du tout. Il y a 10 secondes, vous étiez déjà parti dans votre tête. C'est énorme. Camille Esteban! Bravo, bravo. Je suis pas allée où, en fait, je croyais que tout allait être fini. Il a besoin au dernier moment, je suis... C'est pas fini, mais je suis énormément heureuse. Pour l'instant, Camille Esteban est repêché par Matt Pokora et observera la suite des battles en direct depuis les coulisses puisque le choix de Matt n'est pas définitif. Si le coach a un nouveau coup de cœur, il peut encore appuyer sur le bouton rouge et remplacer Camille Esteban. Elle devra alors céder sa place dans le fauteuil du talent volé et quitter le concours. Le talent qui occupera le fauteuil du talent volé à la fin de la dernière battle accédera donc aux épreuves ultimes.